Coucou, belles âmes. Deuxième jour de self-love. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour se donner de l'amour et pour du coup rayonner l'amour dans ce monde? Bon, je sais, c'est l'heure du déjeuner. Normalement, mes petites vidéos, c'est plutôt pour le matin, hein. Donc, vous imaginez bien que là, ce matin, en fait, ça n'a pas été très fluide. Et entre les rendez-vous avec les clients et puis mes meetings avec les collègues, effectivement, on en est là. Et vous pouvez imaginer que j'ai entendu mon petit discours me dire « Ouais, Laetitia, c'est pas super pro, t'as vu l'heure qu'il est, etc., etc., etc. » Ben voilà, d'accord. Donc, moi, j'en profite du coup pour vous parler de ça. Les jours où ça commence comme ça, pas forcément bien, est-ce qu'on en a pour toute la journée de maltraitance avec la petite voix qui nous dit que c'est pas bien et qui ronchonne et qui mâchonne, que ça va pas? Non, 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 on n'est pas obligé. Et à tout moment, on peut changer son énergie. Et quoi de plus efficace pour changer son énergie et revenir à son self-love que la musique? Donc voilà, en jour 2, je veux vous proposer que vous trouviez ou que vous nous partagiez votre la musique qui fait vous sentir super powerful, très plein de... qui vous en puissance en fait, qui vous fait vous sentir Wonder Woman, Superman, ce qui vous correspond comme image. Et une fois que vous avez trouvé cette image, que vous nous la partagez, n'hésitez pas, l'idée c'est vraiment de vous l'écouter, de noter, de voir ce qui se passe en vous, comment ça arrive à switcher votre énergie, ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, mais aussi après ce qui se passe à l'extérieur. Donc soit écoutez cette musique en rentrant du boulot ce soir, ou à l'heure du déjeuner, mettez-la, faites-la écouter à vos collègues, ou en rentrant, faites-la écouter à votre famille, à vos amis, et peut-être partagez, pareil, comme j'ai pu le faire moi aujourd'hui, quelle est votre chanson à vous qui vous fait vous sentir bien, etc. Voyez les différences, voyez à quel point nous sommes tous vraiment uniques dans notre univers intérieur, dans ce qui fonctionne pour nous. Et profitez-en après, chantez, dansez et voyez et à quel point ça change et ça vous donne de l'amour, de la confiance. Allez-y, vos cellules n'attendent que ça. Donc, et surtout observez aussi ce qui se passe quand vous changez de vibration. Qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur? Quand vous arrivez avec votre chanson préférée à tue-tête, bon, peut-être que vous avez un ado qui ne va pas du tout aimer et qui va changer, mais vous pouvez discuter de sa chanson préférée aussi. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous changez vos vibrations autour? Voilà. Ben, du coup, j'avais envie de vous partager ma chanson Feel Good, celle qui me fait me sentir Wonder Woman. Pardon, je vais y arriver. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me fait du bien. N'hésitez pas. Allez-y, n'hésitez pas. Bougez votre corps. I wanna want to know. I gotta let it show. Bon, je vous embrasse. Je vous aime. Je nous aime. Allez-y, balancez du self-love et faites-moi monter les vibrations dans notre monde. Je vous aime. Ciao.